reste do or dare. C'est parti pour la sixième épreuve. Bon départ pour Uncle Frank à l'intérieur. Do or dare sollicité par Sonaram avec Chili Con Carne et Zodiac Jack bien parti cet après-midi. Et Montego Bay également qui se retrouve en quatrième épaisseur. Alors qui? C'est Chili Con Carne pour l'instant qui a peut-être l'avantage de pouvoir se rabattre devant Zodiac Jack. Et il y a également Montego Bay. Montego Bay, Chili Con Carne, Zodiac Jack, Do or Dare. Après, on retrouve Dawn on May. Uncle Frank est obligé donc de suivre derrière en course d'attente. Et puis, Yankee Doodle Dandy à son extérieur. Black Indy, pour l'instant, ferme le cortège. Il y a Varside aussi qui va tenter maintenant de se placer. Il se retrouve derrière Zodiac Jack. À l'avant donc, Montego Bay part très bien avec Chili Con Carne. Puis il y a Do or Dare qui suit à l'extérieur donc, de Chili Con Carne. It Dawn on Me va se rapprocher. Yankee Doodle Dandy, Black Indy, Zodiac Jack, Uncle Frank et Varside toujours en queue de peloton. Les chevaux ne vont pas tarder à entrer dans la ligne droite finale. Regardez l'offensif de Do or Dare qui est passé à l'extérieur de Montego Bay en épaisseur. Maintenant, il y a It Dawn on Me, Black Indy, Do or Dare est parti sous la selle de Sonaram. Derrière, Varside va effectuer un retour avec Do or Dare qui a l'avantage. Do or Dare va aller s'imposer sous la selle de Sonaram avec Varside et Black Indy à son extérieur. Uncle Frank finit quatrième. Do or Dare.